Bien sûr, c'est un rayon. Je serai ton ami. Non, mais ne m'approche pas. Je vais pas faire des coups, maman. Du chocolat, miam miam miam. Oh, le réveil. Non, laisse-moi dormir un peu. 5 minutes. Ouais. Et c'est quoi cette odeur? Quelque chose qui brûle? Quoi? C'est mon téléphone. Il brûle. Quoi faire? Comment je vais être sans mon téléphone? Je sens l'odeur de... L'odeur de... Non mais qu'est-ce qui se passe? On brûle? Ouais. Bonjour Marie. Wow. Oh, je sens le pouvoir de l'eau. Waouh! T'as vu tout ça? J'ai le pouvoir de l'eau! Qu'est-ce que c'est que ça? Des plantes? Tina, qu'est-ce que tu fais? Ne faites pas de bruit, je veux dormir un peu plus! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Non! Pourquoi je suis couvert de... Oh! Waouh! C'est comment un jardin botanique? Est-ce que c'est moi qui ai fait tout ça? Mon Dieu! J'ai le pouvoir de la terre! Les filles, je veux dormir. Et qu'est-ce qui se passe? Tina? T'as besoin d'aide? Pour être honnête, oui. Oh, et qu'est-ce qui est arrivé à maman? Je sens le pouvoir de l'air. Oh oui, Grace, t'as vraiment la force de l'air fort. Arrête! Tout va bien. Oui, non, merci beaucoup. Oui, il faut travailler, mais bon, il faut se lever. Les filles, félicitations. Chacune a pu libérer son pouvoir. Linda a la puissance du feu, Grace a la puissance de l'air, Marie a la puissance de l'eau et Tina a la puissance de la terre. D'accord, les filles, vous devez mettre un ordre. Les magiciens doivent être à 10 sur 10. Par qui commençons-nous? Oh, je vais être la première. J'ai une idée de comment mon pouvoir peut m'aider. Tout d'abord, les magiciens ne doivent pas porter de lunettes. J'en ai plus besoin. Oh. Non, il faut trouver mes lentilles. Ouais, enfin, je les ai trouvées. Oui, cool. Il ne reste plus qu'à les mettre. Ça a l'air facile. Attention. Ouais, génial, ça a marché. Oh, je vois très bien. Oh non. Bon, il faut que je fasse quelque chose avec ma peau. Ouais. Mon pouvoir magique, ça va m'aider. Alors? C'est fait? Ouais, c'est super rafraîchissant. J'adore mes patchs. Alors? Redonnons à ma peau une apparence saine. En cela, je vais aider une brosse pour le visage et la mousse pour le lavage. Commençons. J'applique la mousse sur la brosse et je commence à masser le pot de visage. Par là et par là. Et ici. Super. Maintenant, je me lave la tête. Oh, j'adore. Alors, on enlève les patchs. Oh, je n'ai plus de bleu. Comme c'est cool. Comment je peux m'aider? Ouais, l'acné, c'est mon pire ennemi. Je sais pas comment m'en débarrasser. Bien que, je me souviens, en biologie, on m'a parlé des propriétés médicales des plantes. J'ai le pouvoir de la terre. Je peux faire pousser les plantes dont j'ai besoin, mélanger leurs joues et obtenir un masque contre l'acné. Ouais, j'espère que mon rêve va devenir réalité. J'ai besoin du raisin, du concombre, du citron, du kiwi. Je vais tout couper pour que j'ai le jus. C'est fait. Et maintenant, je vais devoir mélanger dans un petit mélangeur tous les ingrédients nécessaires. Ouais, si on faisait ça dans les cours de chimie... Ouais, cette leçon aurait plus de popularité. Alors, il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau et de mélanger le tout. Oui, je pense que ça marche. Alors... Voilà. La moule spéciale pour le masque... Je répartis bien le masque pour que j'en aurai assez pour tout le visage. Maintenant, j'attends. Et voilà, c'est fait. Il est temps d'essayer tout cela. Ouais. Et en plus, je vais utiliser ce truc, ce roller.
Wow! J'ai plein de boutons! C'est super! Oh, Tina a laissé son masque avec des boutons. Qu'est-ce que... Oh! Non, mais c'est quoi ça? Des pointes noires! Qu'est-ce que c'est sur le nez? Des points noirs, vraiment! La puissance du feu, c'est vrai! J'ai besoin du charbon! On dit que ça aide vraiment? C'est fait! Maintenant, je vais faire un masque. Je mets le charbon et je le casse un peu. Ouais, c'est vraiment facile. Je pense qu'il reste juste un peu. Oui, c'est fait. Et maintenant, j'ai besoin de crème. Oui. Je vais ajouter un peu de crème. Et je vais tout mélanger. C'est fait. Et maintenant, on peut appliquer. Voilà. Je cache tous mes points noirs. C'est génial. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mes dents? Pourquoi mes dents sont si jaunes? Ah oui, je sais. J'ai besoin du dentifrice et ce gadget. Je suis sûre qu'il va réussir. Oh, je sens déjà que mes dents deviennent blanches. Ouais, c'est vraiment super blanc. Oh, et voilà le masque. Super. J'ai plus de points noirs. Oh, tout va bien. Quoi, tu as arrêté? Qu'est-ce qui se passe avec mon visage? Oh oui, la puissance de la terre. Voilà, le peeling. Et ma peau est super belle. Oh. Non mais pourquoi mes sourcils sont comme ça? Il faut tout réparer. Il me reste un peu de pâte à épiler. Maintenant, je vais me débarrasser de tous les poils inutiles une fois pour toutes. Un peu par ici et je vais attendre. J'ai oublié pour le pansement. Je vais le mettre juste ici pour que ça soit plus simple. Et maintenant, il faut le faire. Non, en fait c'est super mal. Grace, calme-toi, on s'en va. Wow, comme je suis belle. Magnifique. Livy, vous êtes les plus belles des magiciennes. Je fais un maquillage brillant. À la puissance du feu, tu veux m'aider? Cool. Essayons de faire des flèches de feu. Wow, je suis irrésistible. Et ce n'est pas tout. J'ai ajouté un peu de paillettes. J'ai le pouvoir du feu, je dois briller. Oui, c'est fait. L'heure me va très bien. Je vous salue en ardemment. Le bleu est toujours venu à mes yeux. Et c'est la vraie qui m'aide toujours, même avec le maquillage. J'adore ces flèches. Ce eyeliner, ajoutant un peu de brillance à mes lèvres. Super. J'ai compris. Il manque quelque chose à mon maquillage. Alors, j'ai besoin d'un peu de gel et de beaucoup de paillettes. Je mélange et voilà. Oh, c'est super. J'adore ces paillettes. C'est parfait avec mes fards paupières bleues. Ouais, tout le monde va adorer ça. J'adore mon maquillage. La couleur verte, c'est parfait pour ma peau. C'est cool, mais il manque quelque chose pour moi. Ah, bien sûr, des cils. Ouais, je vais ajouter. Oh, c'est parfait, super mignon. J'adore. Oh, j'ai inventé quelque chose. J'adore ces fleurs. Il manque ces fleurs dans mon maquillage. Regardez ces camomilles. Ouais. C'est parfait. Et la touche finale, c'est le rouge à lèvres. Ça va parfaitement avec les fards paupières verts. Voilà, je m'en vais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La puissance de l'air, tu dois m'aider. Je veux de l'eyeliner. Oh, oui! C'est bleu et c'est comme des nuages. J'ai adoré. Et ajoutons quelques perles. Ils sont aussi doux que moi.
Je pense que tout le monde a la mâchoire qui s'affaisse quand elle me voit dans une nouvelle image, dans un nouvel look. Voilà, je suis super belle. Waouh, les filles, vous êtes magnifiques. Chacune est unique à sa manière. C'est exactement 10 sur 10. Non, il n'y a rien qui va avec mes cheveux. Je comprends, copine. Ça fait une heure que j'essaie de les brosser. Non, mais aucune brosse m'aide. Je suis fatiguée. Oh, je sais, j'ai une idée. Les cheveux sont terribles, mais la force d'air m'aidera certainement à tout réparer. Voilà. Maintenant, c'est tout autre chose. Et j'adore cette coiffure. Ouais, je suis toute belle. Oh, j'ai une idée. Ouais, des perles. Il y en a déjà dans mon maquillage et maintenant je vais les ajouter à mes cheveux. Je vais les mettre ici et pas ici. Oui, ça a l'air chic. Oh, j'adore ces cristaux. Je vais les mettre aussi dans mes cheveux. Oui, j'ai adoré ma coiffure. Ça a l'air super. Mais je vais ajouter quelque chose. Je veux encore des cristaux. Je veux être comme une princesse. Ouais non, après l'ouragan, c'est n'importe quoi. Oh, le pouvoir du feu, tu vas m'aider. Je suis sûre. Waouh, regardez. C'est super, j'adore cette coiffure. Oh, en plus c'est rouge. Oui, je suis comme le feu. La couronne du feu, c'est juste ce qu'il faut. Mes cheveux sont difficiles à coiffer. Et comment je vais en faire une coiffure? Le pouvoir de l'eau, comme d'habitude. Ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Waouh, la coiffure humide. Ajoutons quelques détails. Avec ces trucs. Ouais, je suis super belle. Regardez, Tina. Oh, ces queues de cheval ne me conviennent pas. Mais j'ai une bonne idée. Oui, je vais me faire des boucles. J'ai toujours la force de la terre, donc je vais avoir des jongles soignés sur ma tête. Ouais, c'est juste ce que je voulais. Ouais, sur toute ma tête. Ma coiffure va être la meilleure, vous allez voir. Il reste juste un peu et... c'est fait. Voilà, il ne reste plus qu'à bien te coiffer. Mais il manque quelque chose. Bien sûr, le pouvoir de la terre. J'ai besoin de ton aide. Quelque chose de vivant comme des fleurs. Oui, c'est tout autre chose. J'adore ces fleurs. C'est génial. Marie. Ouais. Linda. Super. Grace. T'es super mignonne. Les filles, vous voulez un conseil? Vous devez changer votre pyjama tout de suite. J'ai déjà une idée. Oui, je suis tombée sur une super robe rouge dans le placard. Ouais, c'est donc ce dont j'ai besoin. Mais je vais faire quelque chose. Ouais, même si c'est magnifique. Mais la jupe, le t-shirt, c'est même mieux. Ouais, c'est génial. Mais il manque quelque chose. Je sais. J'ai besoin d'ajouter un peu de lumière. Ouais, c'est une autre affaire. Les touches finales. Oh, les boucles dorées. Et bien sûr, le collier. Voilà, j'adore le feu. Et maintenant, je suis prête. Qu'est-ce que je vais porter, moi? Non, ça va pas. J'ai une idée. Je vais faire une robe. C'est fait. Oui, cette robe va parfaitement avec mon maquillage. La force de la terre. Tu peux finir mon look? Oui, il manquait plus des fleurs. Et oh, je vais ajouter des boucles dorées, un collier sous forme de camomille et des chaussures super roses. Est-ce que je suis comme une princesse? Ah, je pense que oui. Non, c'est ennuyeux ça. Ouah, j'ai une idée géniale. Le pouvoir de l'homme aidera à créer une tenue unique que personne ne peut prouver. Ouais, je vais faire un t-shirt blanc ordinaire.
Mais je vais faire quelque chose de spécial. Je vais colorer tout cela. Et c'est très simple. Voilà ce que je vais faire. Et je mets tout cela dans l'eau de la bonne couleur. Ça va être bien sûr le bleu. Regardez comme c'est beau. Je vais ajouter des jolies chaussures, des boucles d'oreilles. Et bien sûr le collier à mon super look. Je pense que tout ça a l'air super bien. Ouais, est-ce que vous aimez bien aussi? Oui, j'ai décidé que personne ne peut faire la robe mieux que moi. Ouais, ça va être super aérien. Ouh, non. Non, rien ne sort. Oh, c'est vrai, j'ai le pouvoir de l'air. Ouais, elle me sent à 100%. Waouh, c'était encore mieux que je ne l'imaginais. C'est la meilleure robe de ma vie. Je ressemble à une vraie princesse. La touche finale, le collier. C'est fait. C'est magnifique. Waouh! Tina, la puissance de la terre. T'es charmante. Léna, la puissance du feu. T'es magique. Marie, le pouvoir de l'eau. T'es adorable. Grace, le pouvoir de l'air. T'es génial. Les filles, vous avez tous l'air magnifique. Les garçons sont fous de ces beautés. Et les filles sont jalouses. Oui, oui. Ouais, ce sont les mêmes antélos. Et maintenant, elles sont des reines de beauté. Les filles, vous avez conquis leur cœur. Wow, belle gosse. Wow, pourquoi? Oh oh! Oh non! C'est du piment! Oh! Monica, au moins t'as eu de la chance avec la taille de la portion. Y'a rien à faire. On va devoir boire ce mélange de feu. C'est un challenge chaud. Ma tête est même en ébullition. Oh, come on! Maintenant, c'est mon tour. Oh, man! Oh, my God! Trop épicé. Urgent, j'ai besoin d'un antidote. Le lait fera l'affaire. Oh, oh, c'est plus facile maintenant. Les filles, vous pouvez vous passer de moi? Oh non! Pas question, Lily. Bois ta boisson. Appelez les pompiers! T'inquiète pas, Lily. Nous pouvons nous débrouiller sans eux. Merci. Les écarts de température sont trop importants. Un tel petit bois bubois, ce n'est pas juste. Oh, j'ai pas besoin de ciseaux. Awesome! Mais le chewing-gum est tout aussi délicieux. Ça tient parfaitement dans ma bouche. Je peux imaginer quelle énorme bulle mon Ubba Booba ferait. Les ciseaux sont très pratiques. C'est délicieux. Lily, laisse-moi t'offrir une autre part. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais éclater. Oh my God! Oh, je suis une gomme fantastique. Viens ici, ma chérie. Quoi? Non, j'ai dit bien ici. Ok, here we go. Ah, t'es là. Oh non! Gotcha. Et les filles? Pour un morceau. Wow!
C'est évidemment trop. C'est mieux. Oh my god! C'est tellement bon! Wow! Monica, tu vas où? Le challenge n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Je pense que je l'ai eu. Oh, de la marmelade! Nous avons juste besoin de l'augmenter de taille un peu plus. C'est mieux. Awesome! Regardez ça, un masque de beauté comestible. Maintenant que je suis encore plus jolie, je peux avoir un rafraîchissement. Pratique et très savoureux. Wow! Je me demande ce que j'ai eu. Quelque chose de très lourd. What? Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Oh. Ça, c'est la taille. C'est l'heure du milkshake à la marmelade. Très rafraîchissant. Ça, c'est pour un apéritif. Tout le monde, préparez-vous. Feu d'artifice de marmelade. Je pense que je l'ai mérité. C'est délicieux. Je ne peux pas m'arrêter. Au revoir, le régime. What? What? Pourquoi j'ai la plus petite portion? Et je suis la plus chanceuse. Très peu de miel aussi. Awesome! Mais c'est très savoureux. Je vais aussi l'essayer maintenant. Ajoutons du miel. C'est si sucré, c'est tout simplement délicieux. Oh. Attention à ne pas mordre. Il reste encore tellement de miel. Oh my god! Mmh. Oh. Je vais manger jusqu'à la dernière goutte. Je crois que je me suis un peu salie. Une seconde. C'est mieux? J'arrive. Et voilà, maintenant j'ai l'air incroyable. Maintenant c'est à mon tour de manger. Lily, tu peux m'aider? Ok. J'en serai ravie, Monica. Ouvre la bouche en grand. C'est tellement meilleur comme ça. Merci, Lily. Qu'est-ce qu'on a? Un diamant au chocolat? Wow.
J'ai une idée. Maintenant, ouvrons-le à nouveau. C'était une mauvaise idée. C'est délicieux. Ok. Prends-t'en moi. Oh. Yes. Come on. Wow. C'est vraiment délicieux. I love you. Je crois qu'il me manque des garnitures. Ça, c'est mieux. Et vous pouvez prendre une collation à tout moment. Je pense que Wendy a trop de chocolat. Nous devons rétablir la justice. Oh non! Où est passé mon diamant? Je ne laisserai personne voler mon chocolat. Remets-le, Lily! Délicieux. Ils fondent dans la bouche. Ce sont les nuggets. J'ai encore eu de la malchance avec la portion. Je pense que ce serait encore meilleur avec la sauce. J'avais raison. C'est délicieux. Essayons un morceau. Avec la sauce, Monica. Ah oui, d'accord. C'est tellement bon. Peux en avoir d'autres? Pour toi, Monica, autant que tu veux. Il reste de la sauce pour moi. Oh. J'ai assez de sauce pour tout le monde. Hey. Yes. Je pense que t'en as trop fait, Lily. Oh non. What? Mais c'est quand même délicieux. C'est un appétit vicieux. Oh my God! J'espère qu'il ne va pas nous manger, toi et moi. What? Oh non! Je déteste le fromage moisi. Je n'arrive pas à respirer. Hey, you. Oh, really? Oh, c'est vraiment dégoûtant. Il faut faire quelque chose à ce sujet. What? Ce fromage est dégoûtant. What? Hey! Ok. Mais nous devons le manger après tout. C'est dégoûtant. Oh my God. Je ne veux pas le manger. Oh!
What? Okay, here we go. C'est vraiment horrible. Il sent si horriblement mauvais. L'odeur me fait tourner la tête. Je vais en essayer. Waouh, un peu. Ce fromage semblait avoir rendu Marie folle. Elle l'a transformé en souris. On va avoir besoin de l'aide d'un vrai prédateur ici. Cool. I love you. Wendy, attends. Je commence. Des grains de pop-corn. What? Très drôle. Je ne vais pas me casser les dents. Bien fait pour toi. Peut-être que ce n'est pas si mal. Aïe, tu n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, c'est mon tour. Du maïs au chocolat. Ça valait le coup d'attendre. Ça sent vraiment bon. Arrête de prendre un grain à la fois. Je veux tout manger. Ce n'est pas juste. Maintenant, justice sera faite. Il ne reste que quelques secondes. Et tout va changer. Pourquoi t'as fait ça, Marie? Pour faire du pop-corn. Génial, ça en valait la peine. Je savais ce que je faisais. Je commençais à penser que nous allions nous passer de nourriture. Les piments au chocolat. C'est de la chance. Est-ce que j'en ai vraiment en vrai? Tiens-toi, Marie. J'avais raison. On ne peut pas se remettre d'une telle chose. Je sais comment t'aider. Tiens, cette glace te sera utile quand tu goûteras au piment. J'ai encore très peur. Dépêche-toi, t'as besoin de glace. Ça m'a vraiment aidé, merci. Je suis contente. Mais ton maquillage est un peu parti. Mais peu importe. L'important maintenant est de goûter le chocolat. Je ne peux pas supporter de regarder ça. C'était vraiment bon. Peut-être que t'aimerais aussi ce piment maintenant. Wendy, t'as failli l'oublier. Bien, merci beaucoup. J'ai négligé ce piment. Je brûle! Tiens l'eau. C'est si bon de l'avoir à portée de main. Wow! L'horloge en chocolat. Ouais, ils sont vraiment bons. Ils ont juste un goût dégoûtant cependant. Oh! Le plastique ne sera jamais comparable au chocolat. Je dois m'en assurer. Hey! Radine. Quand il s'agit de sucreries, l'amitié passe au second plan. Regarde tout le chocolat qu'il y a ici. Je suis
sur le point de devenir folle de jalousie et de faim. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Est-ce que ça a marché? Pas question! Oh, man! Merci beaucoup, Marie. Tu dois me donner un morceau. Je te l'ai déjà dit, non? Mon cœur est sur le point de s'arrêter. Et mon estomac? Je suis si pleine! Donne-moi ton horloge. Je ne le ferai pas. Laisse-moi. Et non. Et tiens. Qu'est-ce que t'as fait, Wendy? On se fait vieille. Aïe. Le temps s'est inversé. Je n'aime pas du tout ce cactus. Le mien semble bien. Je n'ai pas de chance comme d'habitude. Je vais essayer d'arranger ça. Il est temps de se faire une petite coupe de cheveux. C'est une excellente idée. Maintenant, faisons un essai. Quelle amertume! On dirait que la coupe de cheveux n'a pas aidé. Ça me donne envie de tout boire. Désolée, nous n'avons pas le temps de faire la recherche d'eau. Nous avons mieux à faire. Awesome! Un arrosoir? Il y a définitivement de l'eau dedans. J'en avais besoin pour faire pousser un cactus. D'accord, je vais prendre un arrosoir plus grand. C'est parti. Encore-toi. Ok. Très bien, j'ai encore une option. Ça marche pour moi. Pas question. Je ne tournerai pas cet arrosoir. Wow. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à faire pousser un cactus en chocolat. Wow, c'est si délicieux. Donne-moi au moins un morceau. Ok, voilà. Well, thank you very much. Un gros burger juteux. C'est le rêve. Le burger au chocolat a l'air tellement plus cool. Hello. Il faut pas se disputer. Nous préférons essayer nos plats. C'est beaucoup de garniture. J'aime ce genre de choses. Laisse-moi. C'est quoi cette habitude de toujours me distraire de ma nourriture? Désolée, je ne le ferai plus. J'espère que tu ne vas jamais m'interrompre non plus. Et maintenant, je vais faire quelque chose de spécial. Un burger avec des sucreries. C'est un chef-d'œuvre. Je dois le goûter. Oups, Marie, ton chapeau a disparu. Je ne peux pas l'avoir. Et le burger est parti aussi. Tout ça est de ta faute, Wendy. Je commence cette fois-ci. La grenouille. Wow, ça a l'air faux. Mais c'est du chocolat. J'ai compris. J'ai une vraie grenouille sous mon couvercle. C'est si effrayant. Je suis désolée, mais tu vas devoir la lécher. Moi, c'était déçu. Au secours.
pas une vue pour les âmes sensibles. Pew! Oh! Mais c'est un prince! Tu m'as désensorcelé. Maintenant, nous allons être ensemble. Alors, Wendy, pourquoi t'as besoin de ce gentil garçon? C'est bon, je sais comment le neutraliser. J'ai besoin d'une grosse mouche. De la nourriture. Il faut l'attraper. Quoi? Ça a marché. Quel énorme œuf! Ça a l'air bien. On dirait du chocolat. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Quel joli petit dragon! Oui, il est mignon. Mais j'aime beaucoup mieux le chocolat. Oh. Désolé, mais il est à nous. C'est bon, j'ai une friandise. Ce n'est pas un œuf cru? Je suis déçue. Le dragon et moi pouvons t'aider. Merci, c'est si gentil de ta part. J'ai hâte d'essayer ça. C'est délicieux. On ne peut jamais avoir trop de nouilles coréennes. Avant de les manger, nous devons sortir les cartes. Voyons qui est la plus rapide ici. Je suis rapide, moi. Je suis contente. Je ne veux pas être un escargot. La vitesse moyenne est parfaite. Je sais pas ce que je vais m'y mettre. Comment c'est appétissant. Génial, ça. J'ai appris récemment à manger avec des baguettes. Et apparemment, il était temps. Betty, je crois que t'as une moustache. Oh, c'est vrai. C'est la moustache la plus savoureuse du monde. Emma, c'est ton tour de manger des nouilles. Bon, j'ai besoin de faire très vite. J'ai pensé à un moyen, je vais l'appeler un château de sable. Et maintenant, cette façon de manger des nouilles, c'est le château de sable d'Emma. Betty, où sont tes nouilles? Oui, j'ai presque fini. Où sont tes nouilles? Non, mais tu n'as rien mangé. Je sais pas, j'ai été trompée. Personne t'a trompée. Tu manges lentement? C'est pourquoi t'as les nouilles les plus longues. Et tu les mangeras pendant longtemps, c'est sûr. Oh, maintenant nous ne verrons pas Betty avant longtemps. C'est vrai! Oh, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je suis sûre que j'y suis presque. En fait, c'est bon, ça. Oh! C'est quoi cette odeur? Oh! Une banane! Ouais. Non, c'est pas une banane. Non! C'est la poubelle! Ah. Elle est contente d'avoir des pastèques juteuses et sucrées. Alors, les cartes? La vitesse moyenne me convient parfaitement. Je pourrais prolonger le plaisir. C'est exactement le moment où je n'avais pas envie de manger vite. Je n'avais pas réalisé que couper une pastèque était si difficile. Mais j'ai réussi. Maintenant, il est temps de goûter. Bravo. Oh oui. C'est vraiment très bon, ça. Les filles? Oui, qu'est-ce que vous attendez? Oui, il aurait pu être ouvert plus rapidement. Et pour que ça dure plus longtemps, je vais manger la pastèque avec une cuillère. Ça sera encore meilleur quand ça. Oh oui, c'est vraiment génial. Oui, maintenant je vais avoir besoin d'un couteau. Je viens de trouver un excellent moyen de les manger aussi vite que possible.
plutôt de pas manger et boire la pastèque. J'ai avoir besoin d'un mixeur pour que mon idée devienne réalité. Qu'est-ce que vous faites? Une idée bizarre, j'espère que ça va marcher. Je ne doute même pas de moi. Il faudrait un verre aussi grand pour faire une grosse pastèque. Comme c'est lourd! Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai beaucoup de délicieux jus de pastèque fraîchement pressé. Lady, je vous ai dit que j'avais un million d'idées. C'est délicieux. Oui. Et très sale. J'adore la glace au chocolat. Les filles, distribuons les cartes aussi vite que possible. Oh, j'ai faim. Oh non, je dois avaler la glace rapidement. Et moi, j'ai une vitesse moyenne. Cool. Et je suis lente, moi. Prenne sur moi, d'abord. Regardez comme c'est délicieux. Il y a tellement de noix et de chocolat dedans. C'est merveilleux. Betty, arrête de me fixer et mange ta glace. Il est vraiment temps. Je pense que j'ai utilisé mon vieux schéma pour transformer la crème glacée en smoothie. Si la crème glacée est liquide, je peux la sécher dans l'assiette. Je vais couper cela. Et voilà. Je pense que c'est vraiment appétissant. Mais je sais pas. Je pense que c'est pas très cool. Mais bon. Et c'est très bon, ça. Ton nez veut manger aussi. Qu'est-ce que tu fais? Quoique. Non, mais le dirait pas non du chocolat. Oh, les filles, c'est mon tour. Je pense que si je vais le manger, tout d'un coup, je ne vais pas geler. Allons-y. Oh non! Mais si froid! Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Petit, regarde, quelque chose est arrivé à notre Emma. C'est bizarre, je n'ai jamais vu ça avant. Oups! J'espère qu'elle va bien. Moi aussi. Les filles, nous avons de gros gâteaux qui nous attendent cette fois-ci. Oui, génial! Voyons. Oui, je suis contente de pouvoir le manger rapidement. Moi aussi. J'étais sur le point d'être lent. Et oui, c'est le milieu parfait. Les filles, prêtes pour que je sois la première. Je n'ai nulle part où me presser, alors je peux manger calmement et très soigneusement. Avec une fourchette et un couteau, bien sûr. Génial, c'était mon beau. Et le goût, vraiment génial. Bon, je ne peux pas attendre plus longtemps, je vais manger tout le gâteau d'un coup. Qui a besoin de fourchette quand il y a une bouche pleine? Oh oui, c'est tellement bon. J'adore. Oui, c'était rapide et bon. Oui. Je vais manger mon gâteau. Il faut juste essuyer la bouche. Voilà. Il est maintenant que tu t'occupes de ton gâteau. Et je vais goûter chaque bonbon. Comme c'est bon. Écoute, Betty. Pourquoi ne pas goûter ces bonbons aussi? Et le gâteau aussi? Oui, il n'a nulle part pour se presser. Waouh, où est mon gâteau? Petit, c'est toi? Emma! Comment vous avez pu? Je n'ai rien mangé. Il ne reste que des miettes. Quel glouton vous êtes! Il est temps que je travaille sur mon adresse outil. C'est bon d'avoir une nouvelle cible. Je suis une pro, je touche toujours le centre de la cible. Ah, ma tête!
Tu n'aurais pas dû le montrer en plein figure. Oh, désolé, je voulais juste faire un peu de ménage. Très bien, très bien. Entre. Ne me dérange pas, je m'entraîne. Où est Zach? J'ai tellement envie de sucreries. Salut Lucie, tu me reconnais? Approche-toi pour que personne ne puisse nous entendre. C'est moi, Zach. Est-ce que c'est mieux sans la moustache? Eh, mon poids, je t'attendais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne le reconnais pas? Regarde de plus près. C'est de la chewing-gum. Tu n'as pas aidé à quel point c'est délicieux. Tu devrais vraiment essayer. J'adorerais. Quelle idée géniale que t'as trouvée. Au début, j'ai cru que c'était une serpillière. Waouh, c'est vraiment bon. Je suis content que tu l'aies aimé. C'est un tel plaisir de te regarder. Oui, c'est génial de te voir aussi. Regarde les bulles que je sais faire. Lucie, je pense que tu peux faire mieux sans ça. Il ne faut pas attirer l'attention sur nous, arrête, s'il te plaît. Oh, c'est une explosion? C'est impossible, je dois l'avoir imaginé. Alors, continuons. Je crois qu'on a de la chance. Lucie, arrête de prendre le risque. Je sais ce qu'il faut faire. Oh non, quoi, les ordures? Ah, c'est Coca. Tiens, je t'ai pris une paille pour te mettre à l'aise. Je t'aime, Zach. C'est si bon. Miam. Je savais que tu vas l'apprécier. Oh non, j'ai cru ta cause de gueule. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Lucie? Ils vont nous entendre. Maintenant, je ne sais pas. Non, mais il y a des intrudents en prison. Tiens. Je ne vais pas avoir ça sous le nez. Prends ton temps, Lucie. Je ne vais pas me dépêcher. Sinon, non, je vais me dépêcher si j'étais vous. Désolée, je dois y aller. Qu'est-ce que t'as fait? Salut à tous. Comme c'est glissant, hein? Je me suis souvenue de toi. Une transgression de plus. Et vous êtes tous les deux foutus. Comme c'est embarrassant. Devoir acheter plus de peinture bleue, c'est bien. Ah, au secours, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai une infection, j'ai besoin d'un médecin. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ah, je pense qu'elle a cru. Je ferais mieux de me débarrasser de ses lunettes. Elle a raison. Nous devons appeler un médecin. Non, il y a une terrible infection. Vous avez appelé un médecin? Sauvez-moi, docteur. Je dois aller à la source de l'infection. J'ai du mal à respirer. Aidez-moi. Le médecin est déjà là, t'inquiète pas. Oh, un Twix? J'adore ce genre de médecine. Il y a beaucoup de chocolat là-dedans. Lucie, tu me reconnais pas? C'est moi, Zach. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Je perds des injections, ne le soyez pas. Je me sens malade. Lucie, c'est le jus de fruits. T'inquiète pas pour ça. Ouvre la bouche en grand. L'orange est ma préférée. Merci, j'en veux encore. Le temps de passer à la médecine pour de bon. Je ne serai pas contre un petit médicament non plus. Ce sont les meilleures pilules du monde. T'as raison, Lucie. Je suis ravie. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que l'infection n'est pas mortelle. Vous quoi? Manger de sucreries? C'est un scandale. Zach, laisse-moi prendre une bouchée. Encore? Ce couple adorable. Accrochez-vous, je vais t'avoir cette fois-ci. Je vous ai eu. Vous ne pouvez pas me prendre à main nue. Prenez ça. Encore, mon malignasse. Combien de temps encore? À plus tard, Lucie. J'ai le vertige. Il est où? Ne bouge pas. Je te rattraperai quand même. Je suis en route. Oh, je pense que je suis déjà dans la mauvaise direction. Alors? Qu'est-ce que tu regardes, ma fille? Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Montre-moi ce que t'as. Oui, des bonbons. C'est ce que je pensais. Je confisque ça. Donne-moi une barre de chocolat, s'il te plaît. L'exercice est la clé d'une bonne santé. Déjeuner, déjeuner. Stop. Ne bougez pas. Montrez-moi d'abord ce que t'as ici. Rien de spécial. Des pâtes? Tiens, regarde. Oh, elles sont encore chaudes. Ça a l'air délicieux. Fais-moi une bouchée. Bien sûr, comme tu veux. J'espère que cette assiette est suffisante. Mais si quoi que ce soit, appelez-moi. Je vous en emporterai toujours plus. Oh non, je me suis déjà habituée. Je préfère avoir la quantité dont j'ai besoin de tout de suite. Donnez-moi les panses. Bon appétit. Merci.
merci. J'ai brutalement faim. Comme c'est délicieux. Oh, Zach, avec les bonbons, je suis déjà malade. Déjeuner, déjeuner. Approchez-moi de la grille. Oh, je suis plus qu'il m'a pas reconnu à nouveau. Mais si, mais c'est moi. Je t'attendais, Zach. Tu m'as porté des pâtes. Je ne vais pas les manger. Oh, je ne veux pas. Ne fais pas attention à moi. C'est une distraction. Je t'ai trouvé quelque chose de mieux. Regarde cet énorme burger. T'aimes ça? Yeah! C'est génial. Ça, j'adore. C'est la meilleure chose qu'il m'ait jamais donnée. C'est bon. J'ai bien mangé. Mais la casserole est un peu petite. Il faut bien se reposer. Quelle saveur! C'est l'odeur de burger. Je me demande d'où vient cette odeur. Mais il faut que je me lève. Très bien. Je vais aller directement avec ma chaise. Ça marche, tu m'en sors très bien. Zach, je mourrai de faim sans toi. Je savais que c'était encore toi. Donne-moi ce burger maintenant. Pas ça. S'il te plaît, ne prends pas. N'essaie même pas. C'est mon burger. Où la manges-tu? La vie n'est pas juste. Oh, Snickers, j'adore. Quand c'est bien que j'ai le droit de manger du chocolat et qu'une prisonnière n'en ait pas le droit. Je veux aussi une barre de chocolat. Wow, la grille est cassée. Pas du tout. L'avait-il dit que je peux sortir? Quel coup de chance. Pas encore. Ne regarde même pas mes Snickers comme ça. Je ne vais pas te les donner tout de suite. Nous allons voir ça. Je ferai tout pour l'obtenir. Je mangerai avant toi. Éloigne-toi. Éloigne-toi de moi ou j'appelle à l'aide. Aidez-moi. La prisonnière est sortie de sa cellule. Allez, de secours. C'est bon. Tu ne pourras pas me retenir. Tu peux être sûre. Ok. Merci. Oui, je vais te surveiller. Je pense qu'il est parti. Très bien. Salut, Lucie. C'est bon de te voir, Zach. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise pour moi. Je suis aussi très curieuse, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai décidé de suivre le prisonnier un peu plus. Merci, mais je pense qu'il est temps pour toi de partir maintenant. Au revoir, mon ami. Reste tranquille pour que je ne puisse pas t'entendre. Elle est enfin partie. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons là? Waouh! Un ours en gomme! Comme c'est mignon, j'espère qu'elle n'est pas le seul ici. Nous devrions mieux vérifier la serrure. Je l'ai eu. Il y a tout un tas de marmelades là-dedans. Je vais lever la main pour les récupérer. Ce sont tous les ours de couleurs différentes. Génial. Zach, c'est ce que j'aime. J'adore. C'est bon. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose dans les autres trucs. Oh non, oui, c'est génial. Incroyable. Ah, je t'ai eu. Je savais que ton copain avait organisé tout ça. Donne-moi toute la marmelade. Quelle marmelade? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu me mens. Quoi, jamais de la vie? Les bonbons confisqués, c'est la meilleure chose à laquelle tu puisses penser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Oh non! C'est la zone à haut risque. Va-t'en! Oui, compris, je suis en route pour aller chercher mes affaires. Merci de me le faire savoir. Oui, c'était difficile à tromper. Oui, Zach. Tu me manques tellement. T'es là, ouais. Sors de là, mon amour. T'es libre. Je savais que tu me ferais de sortir d'ici. Oh, regarde ce que je t'ai apporté. Il y a beaucoup de sucreries. Juste comme tu l'aimes. Oh, t'es le meilleur. Par où je dois commencer? Je pense que je vais prendre mon Pixie. J'aime tellement le goût du chocolat et de la liberté. Peut-il y avoir quelque chose de mieux? Bon, ça suffit. Il est temps de sortir. Prenez votre temps, les gars. Je savais que vous avez organisé tout ça. Prenez ça. Vous ne pouvez pas vous échapper. Oh, mais t'es le furieux, je ne peux rien voir. J'ai peur, Zach. Vous êtes pris des oiseaux en cage. Eh bien, vous êtes tous les deux assis ensemble maintenant. Je suis sûre que vous allez vous amuser. Vous étiez impatient d'être réunis? Alors, je vais prendre ce marteau. Non, pas ici. Au revoir. Ils sont coincés dans ce trou pour toujours. Oh, elle a oublié de prendre son casque. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Mon truc préféré, c'est génial. Nous devons le manger maintenant. Continue comme ça, Zach. C'est divin. Voilà la nourriture. La classe. Laissez-moi ouvrir l'assiette en premier.
Waouh, le chocolat! C'est 10 sur 10! T'as beaucoup de chance, Zach! J'adore le chocolat au noix! Ça a l'air très savoureux! Ouais, c'est tout simplement divin! Les noix sont si agréables à croquer dans la bouche glace! Zach, donne-nous-en un peu, s'il te plaît! Je n'ai rien du tout, désolé! Marie, ouvre ton assiette! D'accord! Pas ça! Fromage plein avec de la moisissure! Il n'y a rien à respirer! Fais quelque chose! Mais qu'est-ce que je peux faire? Juste fais et mange le plus vite possible! Vas-y, Marie! Zach, mais je ne veux pas! Ce fromage a l'air dégoûtant! Je vais vomir! Si c'est le cas, c'est sur ta conscience! Oh, terrible! Non, tu peux pas! Tu dois tout manger! Marie, désolée, tu m'as forcé! Que fais-tu, Zach? Il n'y a pas de retour! J'ai dû le faire! Mon Dieu! Je suis malade! Je suis toute verte! Oh, c'est vraiment horrible! Maintenant, on va s'étouffer! Oui, t'as raison, Monica! Je ne peux pas respirer! J'ai trouvé quelque chose! Il suffit de mettre une panse à l'ange sur le nez! Voilà! On dirait que la pointeur est un peu altérée. Je vais essayer de revenir. Il est temps de voir quel genre de nourriture j'ai. Waouh, des chips! Eh oui, en forme de bonne nouvelle. Il semble y avoir un paquet complet là-bas. Vas-y, Monica, bonne chance. Waouh, Monica a des chips. Salutations. Elles ont l'air parfaites. Je savais que la nourriture ronde ne me laisserait pas tomber. Une seconde. Ce n'est pas tout à fait un cercle, mais plutôt un ovale. Ce n'est rien, je sais ce qu'il faut faire pour arranger les choses. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai cercle. Je comprends pas ce qu'elle fait. Maintenant, vous allez te voir par vous-même. Waouh! Comment est-ce possible? Vas-y, Zach, c'est magnifique, non? N'aurais même pas de l'essayer. Toutes les chips sont à moi. Maintenant, elles ressemblent exactement à un vrai cercle. Donc, ils appartiennent à moi et seulement à moi. Quel croustillant! Super! Oui, c'est le paradis! Monica, t'as raison. C'est délicieux.